Bonjour les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un petit concours sympa pour vous aider et tout. Donc, seulement les gars, une condition, 30 likes les gars, 30 likes. On fera le tirage au sort de 1 million de Kama à gagner sur le serveur Télésia les gars seulement. Je joue seulement sur Télésia, j'ai pas d'autres personnages et quoi que ce soit. Donc, voilà les gars. Comme d'habitude les gars, mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires sur le serveur Télésia, comme d'habitude les gars. Donc, voilà. 30 likes les gars, 1 million Kama à gagner sur le serveur Télésia. 30 likes les gars, seulement. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà pour le petit concours de 1 million de Kama. Allez, on passe maintenant aux vidéos. Bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Comme d'habitude les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce Kama. Cette fois-ci les gars, on va faire la panoplie compte à rebours. Ça coûte ultra ultra cher en HDV, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça coûte vraiment cher en HDV, genre vraiment le double de craft. Donc, clairement, on va profiter le maximum. Donc, je vais crafter l'anneau et la coiffe et la botte. Donc, trois items. Déjà, l'anneau, ça coûte, genre, allez, 200 000. Bon, 200 000, allez, 300 000, 400 000, allez, 500 000, allez, 1 million, un gros max pour l'anneau. La coiffe, ça coûte combien? La coiffe, ça coûte... 500 000, 500, 600 000. Bon, allez, 700, allez, 800 000 Kama, 800 000, 1,5 million les gars, la coiffe, grand max, c'est 1,5 million. Donc on a 1,1 million, ça fait 2,6 millions pour l'anneau et la coiffe. Et la botte, ça coûte combien? Donc on a 2,6 millions, 2,6 millions. Plus l'anneau, la botte, pardon, ça coûte 1 million, un truc comme ça. Donc, on a pour 400 000 Kama, 500, 600, 700, 700, 1,3 million, 1,350 000, 1,350 000, voilà, donc 1,3 million. Ça fait 4 millions, les gars, les 3, 4M, donc j'ai combien sur moi? Sur moi les gars, j'ai 5,5 millions, donc on devrait être bon pour les Kama. Donc voilà, je vais crafter les 3. Comme d'habitude les gars, on va faire quelques FM, c'est très très important. Et après, on check l'HDV. Vous allez voir les gars, ça coûte très très cher en HDV, je ne sais clairement pas pourquoi. Mais bon, on s'en fout les gars, on est là pour faire des Kama. Donc voilà les gars, je vais crafter tout ça et on se retrouve à la fin. Re les gars, donc voilà, c'est fait pour le craft. Allez, on va mettre quelques FM rapidement, comme d'habitude. De toute façon, c'est obligatoire les gars, sinon ça part pas. Donc on a quoi? L'anneau, je crois l'anneau, c'est ça. Je suis pas sûr, normalement on a l'anneau, j'ai oublié les gars. Voilà, on a l'anneau. Donc ça donne 52 force, c'est pas ouf. Hein. 6 de critique, attendez, on va juste checker. Bon, les résistances critiques, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Allez, je vais le mettre à 20. Voilà, 20, ça suffira. Les dommages, c'est 14 minimum. Parfait, 14, 15. Les 7 critiques, bien sûr.
Voilà, 414, la force c'est 50, puisque c'est facile à faire les gars, regardez, on a 50. Parfait, les dommages c'est 14, franchement c'est ultra rapide. Sa gestion s'en fout un petit peu. On va mettre les 7, excellent. Les dommages j'en ai dit c'est 14, c'est fait. Je vais tenter de mettre... Mais je vais tenter de mettre 50 les gars. Excellent, excellent. 48 force c'est ok les gars. Par contre les résistances critiques, je ne sais pas les gars si c'est intéressant ou pas. Bon, je vais stopper là. Les 14 dommages sur 15, 7 critiques, 48 force sur 50 et quelques over veta. Donc c'est cool, c'est ok. On a la coiffe maintenant. Bon les gars, t'es pas obligé de crafter les 3 directement. Si t'as pas beaucoup de kamas, je vous conseille de crafter les bots. Ça coûte très très cher en HDV. Vu le craft. Donc on a la coiffe. 102 force les gars. C'est vraiment top pour le mode de peau. Enfin le mode là. Le mode pots là les gars. Ça donne 100 force, c'est vraiment top. Donc on a quoi, les 20 dommages, excellent. Les tacles, les retraits, on s'en fout un petit peu, 20 dommages. Sagesse, on s'en fout, c'est pareil. Je vais mettre 50 direct, excellent. Non, on peut pas mettre plus de 500 les gars vitalité, donc je savais pas. On va faire quoi, on est déjà bon. Par contre je veux mettre minimum 95 force les gars, donc je dois descendre la force un petit peu. Je ne sais pas comment. Allez, je vais mettre les rats, les retripea, voilà. Est-ce que on n'a pas la force qui descend? Non, toujours pas. Allez, je vais mettre les dommages. Allez, la force s'il te plaît, la force. On doit descendre la force un petit peu les gars. Allez, passe. Toujours pas, franchement, c'est nul. Vraiment, c'est nul, les gars. Allez, je vais... 93, c'est pas ouf. Donc, allez, yes, les gars, 82. Allez, juste... Allez, s'il te plaît. 20, les dommages. C'est 20. Allez, s'il te plaît, encore deux, et ce sera ok. Allez, s'il te plaît, Dofus. Ça veut pas descendre, les gars, c'est très très chiant. Allez, je vais spammer quelques tacles. La prospection. Yes, les gars, encore une, s'il te plaît, encore une. Toujours pas. Allez, s'il te plaît. Yes, on est bon, les gars. On est bon. Je vais mettre ça. Excellent. Et je vais mettre 100 de vitalité. On est bon, les gars. Très, très bon. J'ai 19. 19 les dommages sur 20. La force est 100. 500 vitalité sur 80. Enfin, 496. La portée et tout. Donc, très, très bon. J'ai. C'était vraiment rapide. Et maintenant on passe à les bots corps dommage. Donc c'était vraiment rapide les gars, sans casse-tête ni rien du tout, c'est facile à FM. En plus on a 61, donc on doit descendre la force comme d'habitude. Je vais mettre 19 les gars, voilà, 19 sur 19. La force c'est 80, parfait. 80, ça c'est 20. Ça c'est 19. Allez 19. Ok. On est bon, je crois. Je vais juste tenter de mettre 50 et ça sera bon. Malheureusement pas. Oh, le PM, les gars. Si ça passe en crit, ça sera vraiment top. Donc, PM. Allez, ça coûte combien déjà? 23, c'est pas cher. Et les PA déjà, ça coûte combien?
Les PA, ça tombe très très cher, les gars. Plus de 50 000 kamas, franchement. C'était genre top 40 000 kamas. Maintenant, c'est vraiment cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais on s'en fout. Les bots. PM, déjà, si ça passe en crit. Non, malheureusement pas. Tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est 19 minimum, les gars. On est bon. Les résistances poussées, on s'en fout. Je crois. Les résistances neutres. Je vais tenter de mettre 50. Non, malheureusement pas. Ça, c'est 19 minimum. Allez, passe, merci. Ça, c'est pareil. 19. On est bon, je crois. Malheureusement, on peut pas mettre 15 de vitalité directement. Donc, on doit mettre 50. Les passes, putain. C'est très, très chiant. Donc, les gars, on doit descendre la vitalité pour mettre les 50. Sinon, on peut pas mettre 15 directement comme ça. Allez, toi, 20. Mais passe, putain. C'est horrible. J'ai vraiment pas de chance. Je vais spammer quelques runes pour les pouer. Yes. Yes, les gars. On peut mettre maintenant 50 directement. Voilà. Parfait. On est bon. Ça, c'est 19 passes. Parfait. Ça, c'est pareil, 19. Yes, on est bon. Maintenant, je vais mettre 10 direct. C'est ok, voilà le jet, les gars. C'est pas top de chez top, mais franchement portable. 19 sur 20. Les résistances, on s'en fout un petit peu. Vitalité, pardon, c'est pas ouf. Mais ça part, les gars, franchement, ça part. Donc voilà pour les 3 items. Le craft m'a coûté combien? J'ai quelques ressources, je crois. 2 secondes, voilà, j'ai ça. Ça coûte 50 000 kamas. Donc j'ai en tout, les gars. 800 000 kamas. Et j'avais, je crois, combien? Je ne sais plus, les gars. J'avais 5 millions 5, je crois. Donc, le craft, allez, on va dire, les gars, le craft, c'est 4 millions 5. Le craft, c'est 4 millions 7 en tout. Allez, on va dire 4 millions 7. Donc, 4 millions 7. Ça coûte combien en HDV? Je crois que ça coûte beaucoup de cher, les gars. Je ne sais pas pourquoi, mais les items, compte à rebours, ça coûte vraiment cher en HDV. Normalement, j'ai rien en HDV. Enfin, j'ai les arcs Cthulhu. Ça, c'est combien? 1 million 9, le G. Le G est bon, franchement, le G, c'est ok. Franchement, j'ai mieux en force et en vitalité, mais 1 million 9, je vais mettre ça à 1 million 9 sans casse-tête. 1 million 9 plus les bots, c'est combien? 2 millions 5. C'était pas 2 millions 5, les gars, c'était plus cher, mais bon, bon, je vais mettre ça à 2 millions 5 sans casse-tête, plus 2 millions 5. Déjà, les gars, on a 4 millions 4, plus l'anneau, c'est gratuit. Donc le ben est presque 10 millions, putain. Le G est pas ouf. Le G pas ouf. Le G, c'est pas ouf. Il n'y a pas beaucoup de force. J'ai mieux normalement. En plus de ça, une petite over vitalité. Donc j'ai mieux. C'est pas ouf. Il y a 6 de critique. Non, c'est pas ouf, les gars. Franchement, c'est pas ouf. Bon, les gars, je casse plus la tête. Je vais le mettre à 2 millions 2. Allez, 2 millions 2 plus 2 millions 2. Ça fait combien? 6 millions 6 moins 4 millions 7. Ça fait presque 2 millions, les gars, de BN. Franchement, très très bonne affaire. Tu payes 4 millions 7 pour faire 2 millions. Franchement, bonne affaire. Sachant que ça va partir très très vite sans aucun problème. Donc voilà, voilà les gars, pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 1 million Kama à gagner sur le serveur Telesia. Et surtout, n'hésitez pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces Kama sympa. Donc voilà, voilà. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.